526. Est-ce que si je me mets jusque à cet arbre là, on peut un peu plus, hein. On peut un peu plus. Allez. Je pense qu'ici c'est trop loin, mais... Ouais, c'est trop loin. Bon, allez, ici c'est tolérable. Allez. Bon, donc ça, c'est... Ouais. Hop, hop. Je me fais une bonne plateforme histoire qu'on ait un, voilà, qu'on ait de la marge pour faire ce qu'on veut. Bon, première chose qu'on va poser. Boum, voilà, ça c'est fait. Ensuite, non pas les wooden, les stone. Donc eux ils vont arriver par en face. Donc j'en ai mis 1, 2, 3. Il m'en faut un cinquième. Ensuite, par-dessus vont venir les wooden ici. Ok, donc on a fini avec ces pipelars. Ensuite, on va mettre les ça. Hop, 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 et hop. Par-dessus, on va mettre une couche. Pierre, on va mettre le levier, il va manquer ok, ici on va mettre le tesseract. Alors le tesseract, on va poser ensuite les golden transport pipe. Hop. Ok, donc toi tu vas être sur lava. C'est ça, lava. Ton truc, ça va être... donc peu importe l'activation, ça va être... donc l'énergie, tu vas la recevoir. Les items, tu vas les envoyer. Ok. Pour le moment tu vas te désactiver. Ensuite on va avoir un peu de redstone là-haut. Les énergies. Hop. Il semblerait qu'on ait eu un problème avec la query. Je pense que c'est ça qu'il aime pas. On va tailler un petit peu le... Bon, ça c'est bon. On va reposer le tout.
a l'air de pas kiffer. Ah, problème. Alors. Bon. Bah écoutez, apparemment c'est un problème de rendu parce qu'il a très bien pris en compte apparemment ce qu'il faut. Donc parce que là j'ai la tête. Elle est bien là, elle est en train de détruire bah, les arbres. Et puis ben ce qui est en dessous bon. Il me manque juste un truc. Oups. Ce serait une attendez une seconde. Voilà. C'est un vrai chunk loader parce que là on a un chunk loader mais voilà quoi. Il fait office de chunk loader, mais le problème c'est que ces machines-là ne le sont pas, ils ne sont pas chunk loadés. Donc voilà. Je crois que je pars dans la mauvaise direction. C'est ça, c'est par là. Bon. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Un peu plus par voilà. Bon, on va laisser la QRI faire son office. On va juste... alors, hors caméra, je vais juste me poser là-bas. C'est un chuck loader. Hein. Comme ça, au moins, au niveau des machines, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je vais juste vérifier également ce niveau énergétique. J'ai pas réellement de soucis. C'est là-bas. Voilà, puis bon bah dans 1 heure je reviendrai certainement et puis voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses qui transitent. Bon. Bon, ça on va le laisser, ça on va l'envoyer. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai besoin de garder? Que dalle, ça on va l'envoyer aussi. Hop, non. Espace clic, voilà, hop, comme ça tout est envoyé dans le système applié d'énergistique. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est toujours au max, ça veut dire qu'il doit rester de la lave là-bas. Et puis bon ben, va rajouter un petit peu de redstone. Ah, ça tourne la redstone. Mine de rien, non, c'est en haut, c'est ici. Ouais, j'avais mon magnète encore d'activé. Pour ça que je me retrouve avec de la merde. Voilà. Bon, ben, on aura vu pas mal de trucs. On aurait vu Mistcraft, on aura vu... bah, et puis, ben, le... On va avoir le portail d'ici peu. Hein. Normalement, le... Comment ça s'appelle? La query devrait pas détruire le portail. Donc, ça devrait être tranquille.
puis bon, bah s'il n'est pas dans cette partie-là, bah, je ferai l'autre moitié et puis on sera tranquille. Voilà, vous savez tout. Bon, après, on peut repartir hein, sur l'idée avec Mistcraft de se créer un monde à soi, mais j'ai pas toutes les pages. Je pourrais avoir des pages avec les villageois. Simplement les laissant tourner en utilisant hein, ce que je vous ai montré, le trading machin. Nos villageois, non, c'est normal, il n'y a pas de villageois aux alentours, faut que je les fasse spawner, mais bon, voilà. Ouais, ça a pas mal augmenté, mine de rien. Ça carbure à fond hein, cette machine. Hein. Je devrais mettre plus de sa farinette de sorcière. Alors j'ai toujours les safarinettes évidemment. Hein, voilà les... Ah oui d'ailleurs. Voilà. Hein, les wither squelettes, je les ai laissés tourner un bon moment. J'ai 112 têtes de wither squelettes. De quoi se faire un sacré paquet de wither. Donc c'est quoi ça? Wither squelettes, ok d'accord. Donc de quoi se faire pas mal de wither. Excusez-moi, je baille un peu. Voilà, donc je sais pas si. Alors, je sais pas si on fera les crafts qui demandent deux diamants en plus et un arc. Enfin, une épée en. Une épée en diamant. Et puis un arc par Wither. Mais bon. Voilà, quoi. On a de quoi se faire. Plus d'une dizaine de... Enfin, oui, beaucoup plus qu'une dizaine de wither. On en a de quoi se faire une trentaine de wither. Donc, à voir, est-ce qu'on les fait spawner quelque part, on les bute, est-ce que... Je pense qu'on aurait mieux à faire de se créer une cage imperméable, comme je l'ai fait... Comme je l'ai fait sur le serveur, hein, une zone de... Une cage à wither, quoi. Puis on le bute quoi. Voilà. Je vais jeter un oeil sur le bizarre. Alors, est-ce qu'on peut attaquer autre chose? Je réfléchis. Est-ce qu'on peut attaquer autre chose? Tant qu'on n'a pas le portail, je comptais pas réellement avancer sur autre chose. Ah si, il continue à pomper des trucs. Je sais pas ce qu'il pompe, mais il pompe. Il pompe des choses. Bon. C'est qu'il doit rester quelques sources en dessous. Et ça fait quand même une sacrée zone. Hein. Bon, y en avait une ancienne là. Donc les deux zones se croisent, mais... Ça fait une sacrée zone quand même. Hein. Voilà. Bon. Lui il est à fond, lui il est à fond. Lui il tourne. J'avais pas mis une tourelle ici. Il me semblait que j'avais mis une tourelle pour de Portal Gun justement pour les ghasts, pour les trucs comme ça. Allez, hop. Je me souviens plus si je vous avais montré, mais j'avais posé une QRI là-bas. Attendez, elle est restée ici. Ah, j'y crois pas, elle est restée ici, celle-là. C'est pas vrai. J'en avais une de QRI, supplémentaire. Bah ouais, ça vient de m'en venir. J'avais laissé une QR ici. Bon.
Oh, j'avais besoin de Netherrack, je sais plus pourquoi, et puis ça a bugué bizarrement, donc je m'étais mis au sous-plafond du Nether, et puis mais voilà, le problème c'est que voilà, c'est que sous la lave ça avait pas creusé. Allez savoir pourquoi ça avait pas creusé en dessous de la lave. Donc mais il me semblait que j'avais récupéré le matos ici en fait. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Bon, hop. Bon, on va récupérer ça. C'est toujours ça de prix, quoi. Oui, puis j'avais aussi espoir de récupérer pas mal de quartz avec les cuillerées dans le Nether, mais j'avais pas récupéré des masses à ce moment-là, et puis. Puis voilà quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir à ce qu'on fait pour la suite. En attendant, bah je vous laisse sur le petit parc animalier, même avec des animaux bizarres, mais bon. Je sais pas, j'ai Tux qui me regarde pas, il doit me faire la tête. Est-ce qu'il y a, tu veux une petite amie? Bon, je t'en mettrai peut-être une. Il faudrait y trouver un nom. Un pingouin célèbre. Le seul qui me vient, c'est Cobblepot. Mais c'est pas vraiment un pingouin avec qui on a envie de se lier d'amitié. Cobblepot, pour ceux qui savent pas, c'est le vrai nom du pingouin dans Batman. Voilà. C'est Cobblepot. Mais non. On va éviter. Voilà, bon. Bah. Bon, allez. Ben, on va bien voir. Oui, ma consommation énergétique. consommation énergétique. Ouais, c'est pas vraiment ici que je vais la voir. C'est soit ici, soit à l'autre bout. Ça pompe en premier. Ah, apparemment, ça a l'air de rester. Non, c'est full. C'est full, ça bouge pas. Bon, bah ça veut dire que je produis suffisamment pour tout alimenter. Ah, c'est cool. Je vais peut-être voir pour en refaire une. Ouais, j'ai encore celle sonne là, mais. Ouais. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Je vais juste m'en faire une petite dizaine de réserves. Hop, begin. T'en es où? Hop. Bah alors. Bon, bah il veut pas les créer comme ça directement, donc va savoir pourquoi. Voilà, et normalement il devrait les créer tout seul. Allô, oui? Ah, quand même. Bon, voilà, c'est un petit peu long à venir, mais il va me créer les 10 les dés sales quoi. Bon, normalement j'ai assez d'Enderium, j'ai assez de ces trucs-là pour pouvoir répondre à ses besoins.
Voilà. Bon. Bon, ici, ça tourne toujours à plein régime. Ah, il a commencé à aller chercher du... Ah non, c'est des trucs qui viennent de là-haut. Oui, j'ai arrêté ma ferme à bois là-bas. J'ai arrêté de créer du rubber parce que voilà, le rubber j'en ai plus que suffisamment. Donc bon, allez, j'ai dit que j'arrêtais là, donc je vais réfléchir à la suite. Et puis ben sur ce, ben je vous dis à la prochaine. Ok, donc, eh ben, bonjour à tous. Moi, je reprends une nouvelle session de tournage. Pour vous, je sais pas si c'est à la suite ou pas. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis une petite séquence là juste avant que j'ai tourné hier soir. Il était assez tard, je pouvais pas parler, je pouvais pas enregistrer. Mais j'ai un peu pété un plomb. Les queries, ça prenait vraiment trop de temps. J'en ai mis deux côte à côte. J'arrive pas à apporter assez d'énergie pour qu'elles tournent à fond toutes les deux. En fait, il manque des engines, hein, simplement des engines, mais voilà. Donc, résultat, j'ai pété un plomb, puis j'ai tout fait au SDX. Le SDX, si vous, je sais plus si je vous avais montré ce que c'était. Il s'agit, voilà, de ces. Ah, je vous ai. Enfin, vous l'avez bien vu dans la vidéo. Il s'agit de ces TNT là. Non. Voilà, de ces TNT qui s'activent à la redstone. Et leur capacité, c'est qu'elles sont plus puissantes donc qu'une TNT normale. Et tous les blocs qu'elles détruisent, on les récupère. Il n'y a pas de perte au niveau des blocs détruits. Donc le SDX, c'est excellent pour... donc c'est le Tinker's Construct. Et donc c'est excellent pour... juste alors, au niveau des changements rapidement que j'ai fait hors caméra, ici j'ai remis en plus une rangée de Resonance Cells. Elles sont pleines, je les remplis 5 par 5, je ferai la même chose sur la petite portion qui reste ici quand j'aurai assez de Shiny Metal, parce que c'est ce qui me manque, il me manque du Shiny Metal. Donc ça, le Shiny Metal, c'est en récupérant du Ferrous et en le passant dans le... C'est ça, dans le pulvériseur. Pour chaque bloc de fer rouge, j'ai 10% de chance d'avoir du shiny metal. Et le shiny metal, ben, ça me sert à faire de l'endorium. Et l'endorium est nécessaire pour le... pour les selles. Voilà. Autre chose. Alors là, on va passer sur quelque chose de sympa. Alors, Ars Magica.
Vous savez que je suis pas fan de la magie. Par contre, je suis tombé sur un truc sympa. Si vous voulez, je regardais mes ressources. Et puis je me disais, bon, j'ai pas mal de chimérites et je sais pas à quoi ça sert. Donc j'ai cherché dans Ars Magica. Et je suis tombé là-dessus. Ah, excellent. Donc oui, ça paraît de la cobble, mais en fait, ce sont des illusions blocs. Ça met un peu de temps à se casser, mais voilà, on passe à travers et ça prend la texture du bloc contre lequel on l'a posé. Donc voilà, donc ici, donc il y a le passage pour aller donc au tank. Tank que j'ai encore agrandi, j'ai encore ajouté un tout le long là, hein. Donc j'ai poussé le mur et puis voilà, j'ai rajouté encore une colonne. Vous allez voir pourquoi après. Donc ça, et évidemment, c'est ici, j'ai fait la même chose, hein. Vous savez qu'il y a un trou ici pour accéder au Tesseract, au tank derrière. Et ici, pareil, pour accéder aux différents hoppers, pardon. Voilà, j'ai mis un illusion box ici. Et je me suis rendu compte d'un truc. Donc on va prendre un illusion box. Voilà. C'est simple à crafter, hein. J'en ai même fait un craft auto. C'est du verre, de la chimérite. Il faut faire des black runes. Et les runes normales, c'est que de. Enfin, les runes blanches, ce sont que des runes. Enfin, c'est de la cobble. C'est 7 blocs de cobble, je crois. Pour en faire une blague, il faut rajouter un colorant noir. J'ai de Link à mort. Bref, donc hop, normalement, voilà. Donc je l'ai posé contre un bloc qu'il ne reconnaît pas, hein, donc évidemment, il est. Et voilà. Et à travers le bloc, je vois donc les illusion blocks. Vous voyez, la porte, elle apparaît. Donc je me suis dit, mais ça serait super sympa si. Par exemple un mur, on met des illusion blocks et on a un message. C'est excellent ce truc, j'adore. J'adore ce truc. C'est hallucinant, je vous jure, je m'éclate. Avec ça, je m'éclate. Voilà, donc ici c'est marqué MDJ et derrière, bah, je marquais lava. Voilà, avec des illusion blocks. C'est excellent. Bon, j'ai un peu raté lava, mais. En anglais, mais c'est excellent quoi. Franchement, je kiffe, mais un truc de malade. Bon, le truc aussi pour voir entièrement le tank, ça aurait été, je mets tout le mur en illusion block et puis le tank, et ben je l'aurais vu, hop comme ça entièrement, mais excellent. Voilà, puis vous voyez, bon le trou ici, on le voit. Bon et puis si je mettais un illusion block ici, ben j'aurais Mais franchement, voilà quoi, j'adore. Pour mettre des easter eggs ou des trucs comme ça, vous savez que je suis développeur, hein, donc les easter eggs. Alors, j'en mets pas dans mes programmes, mais je sais en faire et ce genre de trucs, j'adore quoi. C'est excellent, franchement, rien à dire. Voilà. Bon, bah ça, c'était mon petit délire sur les illusion box. J'ai passé un petit quart d'heure là-dessus, je me suis bien amusé. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est super sympa pour faire des. Pas des passages secrets, mais des. Voilà quoi, ouais, des cachets un passage. Oh, c'est super pratique. Voilà. Bon, donc ça c'était pour les illusion blocks. J'ai montré les celles derrière. Et il y a un dernier truc. Donc pourquoi j'ai élargi le tank, c'est parce que je pompais trop de lave. Parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ma pompe, c'est terminé et j'ai voulu changer le système, le simplifier, le système dans le nether. Donc j'ai plus besoin d'y retourner en début de partie pour relancer les turtles, étant donné qu'il n'y a plus de turtles. J'ai fait un système beaucoup plus simple. Donc voilà une des pompes. Alors le truc c'est qu'il y a quatre pompes. J'ai fait quatre pompes, bah là elles peuvent plus pomper, hein. Résultat, le tank est plein. J'espère qu'elles ne pompent plus quand elles ne peuvent plus. Si elles continuent à pomper alors qu'elles. Bon, c'est un petit peu embêtant. Bon, simplement ce que j'ai fait c'est.
Dégage, dégage. Simplement ce que j'ai fait, hein, donc c'est j'ai remplacé les Stirling Engine par des Combustion Engine, j'apporte l'énergie par le Tesseract et puis ben ça alimente directement la pompe qui tourne à fond, elle tourne à 100%, ce qui fait ben, que les tanks, voilà quoi, c'est rempli à fond. Et j'ai 4 pompes comme ça dans le Nether. Donc on envoie une là-bas, on envoie une là-bas. Et la quatrième est dans cette direction, encore un peu plus loin. Voilà. Donc toute cette pompe-là va être pompée. Ce que je fais de temps en temps, là, je l'ai fait par là. Ici, j'ai fait une digue pour couper donc la lave qui coulait. Sauf qu'ici apparemment c'est encore des sources de lave, donc voilà. Et donc ici bah, j'ai récupéré tout le quartz, d'ailleurs il en reste encore un petit peu, mais ici là où il y avait des trous, là bah, il y avait des quantités de quartz assez grosses, donc voilà. Donc j'en ai fait du silicone, voilà, donc pour faire des processeurs, pour faire un tas de choses. Bon voilà, donc vous avez un petit peu les changements, donc les pompes du Nether, hein, il n'y a même plus besoin. Chaque pompe a son... Comment? A son... Une chunk loader, donc je n'ai plus besoin de revenir dans le Nether pour activer les pompes. Si jamais je vois que le niveau baisse, et ben c'est que les pompes ont terminé de pomper. Voilà. Bon, aujourd'hui, end. Eh oui, aujourd'hui, on va voir l'end. Il était temps. Je réfléchis, mais normalement, il n'y a pas d'autres changements. Que je réfléchisse. Normalement, non. Normalement, non. J'ai pas... je réfléchis, mais normalement non, il n'y a pas d'autre. J'ai géré un peu les ressources et puis c'est tout quoi. Non, c'est pas ça que je veux. Alors. Une Linkit Book. J'en prends deux parce que. Au cas où. C'est comment le présentoir c'est un bookstand. Bookstand, voilà, hop. Ok, il va me falloir la bulle de wand. Il va me falloir que je dise pas de bêtises. Un piston. Un bloc de redstone. Ma power suite chargée dans la mesure du possible. Ça va, c'est bon. De la bouffe. De la bouffe. Là. Puis, bah, on est bon pour l'Ender Dragon là. Il y a un truc que j'aurais voulu rajouter, le power fish, j'ai dû le refaire entièrement parce que j'ai fait le con. Le truc c'est comment? C'est si. Vous voyez ces trucs là. Si jamais j'ai le malheur de faire un clic droit sur un barrel vil, et ben mon power fist il va se barrer dedans et il va être immédiatement recyclé. Il va se transformer en scrap. Et ça m'est arrivé. Voilà. Donc jamais faire de clic droit sur ces barrels là. Avec le Power Fist. Parce que vous allez le paumer et vous allez tout devoir refaire. Et j'ai oublié de remettre ben, le mêlée. L'aide à la mêlée. Donc je vais peut-être prendre une sword quand même. Ce sera pas enchanté, mais. Wow. On va bien voir. Normalement ça. Ce truc là, ça fait assez mal normalement.
Allez, on y va, on y va, on y va. Donc j'ai tout, hein. LinkedIn Book, Bookstand, ça. C'est pas nécessaire. Le portal gun ne m'est pas utile d'ailleurs à ce propos. Hop, j'ai pas besoin d'aller décoller. J'ai qu'à emprunter ça. Les tourelles, pas besoin. Pas besoin des tourelles. La lumberaxe, je l'ai toujours sur moi, mais non, j'en ai pas besoin. Le Linking Book, c'est juste si jamais je tue l'Under Dragon et que celui-ci, ben, vous savez, avec Morph, en fait, vous savez, le mode qui me permet de prendre n'importe quelle apparence. Comment, si jamais je prends l'apparence de l'Under Dragon, et qui donc ne drop pas le portail, au moins je peux revenir. À ce propos, je peux revenir. Voilà, hop, j'ai l'Overworld et l'autre donc j'aurai l'End. Hop. Et je ferai donc l'autre livre dans l'End. Voyons, voyons, voyons. Bon, on y va. On y va. Non, il me manque les yeux. Les yeux que j'ai mis où? Ici. Ah oui, donc vous allez voir où était le portail. Parce que les queries sont pas terminées. Hein. Elles sont même loin d'être terminées. Donc si vous voulez, donc j'ai pété un plomb avec le SDX. D'ailleurs, j'ai pas fini. Hein. Alors tout ça, c'était une partie du Stronghold. Donc vous voyez, ça continue. Ici, pareil. Tout ça, c'était le Stronghold. Là-bas, dans le fond, il y avait une bibliothèque. Enfin, voilà. Une seconde. Ok, désolé pour cette petite coupure. Je peux jamais être tranquille, moi, même les dimanches. Donc je disais oui, donc ici c'est le Stronghold, ah oui, il reste encore des blocs derrière. Ici là où je suis, il y avait une grosse bibliothèque sur deux étages, bon bah tout va bien. Voilà, là il y a encore une partie du Stronghold qui se balade. Là-bas dans le fond aussi. Et au bout d'un moment, donc je me suis ramené par ici. Il y a un escalier qui descendait et puis là. Voilà, donc les Silverfish, j'aimerais bien les récupérer quand même, les envoyer par le... Récupérer le spawner, hein, simplement. Pour le mettre dans mon usine à... Voilà, vous savez, mon usine. Allez, c'est parti. Donc, aucun œil de poser. Donc, bon, bah, c'est comme ça, hein, ça arrive, des portails où il n'y a aucun œil. Ouais, il est beau le portail avec Affinity HD. Ouais, quand même. Bon, on y va. Power Fist en main, la bonne arme de sélectionner, et on est parti. D'accord. Au revoir. Allez, c'est parti. Ça marche, ça? Ça marche, c'est nickel. Bon, j'ai l'Under Dragon, allez hop. Donc ça, on fait ça rapidement, s'il vous plaît. Putain, c'est excellent. Ouais, j'y fais pas grand-chose par contre. Mais bon. L'avantage, c'est que j'ai vraiment bloc illimité, enfin les lames illimitées, puis je peux réellement le spammer. Comme je veux, quoi. Mais bon. Mais attendez, un petit F3 plus A quand même pour charger la map, parce que... Allons-y, alors. Ok, la lame, elle est restée coincée dans le vide. Quoi, j'ai déjà démoli tout? Non, tu déconnes.
Bon allez, hein, je... Oh. Comment je suis en train de le spammer. Eh mais arrête de te sauver. Rien ne te sauvera. Allez. La vache. Allez! Ah, c'est excellent. Et puis au moins, je risque pas de tomber dans le vide, quoi. C'est ça l'avantage d'être en chauve-souris aussi. Je suis en train de le spammer comme un malade, mais non, il... Rien à foutre! Rien à foutre! Oh vache, il m'a touché. Bon, enfin, c'est plutôt moi qui me suis cogné contre lui, mais... Allez, allez, hop. Viens là. Moi, je kifferais prendre son apparence, hein. Mais quand j'ai essayé en créative, donc sur la map créative, j'ai pas pris son apparence. Donc, normalement, c'est un truc qui a été fixé. Mais je sais que dans Feed the Patrick, le l'Under Dragon, si on le tuait, on prenait son apparence. Moi, apparemment, ce sera pas le cas, mais j'ai préféré prendre un Linkin Book au cas où. Et on a des gros projets dans l'End, hein, je vous préviens tout de suite. On fera pas de ferme à Enderman, ça servira à rien de le faire, simplement parce que bah, j'ai pas besoin d'expérience. Là, je lui fais bien mal. Je n'ai pas besoin de d'expérience. J'ai une machine qui me génère de l'expérience automatiquement. Et puis même avec le SDX, avec la quantité de blocs que j'ai cassé, j'ai récupéré masse d'expérience. Oups, j'ai perdu l'altitude. Bon, il est presque mort. Quoi ça? C'est des nuages basiques. Ok, d'accord. Allez, reviens là. Viens là, viens là, viens là. Allez. Tu le sais, tu m'échapperas pas. Voilà. Allez, ouais, enfin l'XP. De toute façon, l'XP me sert à rien avec la Power Suite. Hein. Sincèrement. Ok, donc j'ai pas pris son apparence et. Ouh, génial les cœurs. Hop, petit coup de. Pour récupérer tout ce qu'il faut éventuellement. Il y a les Underlily Seeds, ça il me les faudrait. Ok. Bon. Eh ben on est pas mal là. Allons-y alors, ça descend jusqu'où? Faut surtout pas que je me croûte. Genre c'est de l'opsy ça? Ouais, c'est de l'opsy. Ok, c'est à la couche 10, la dernière couche. Ouais, bon, ça me convient, hein. Attends, il n'y a pas de fog. Il n'y a pas de fog dans l'end. Bon. Bon, on va démolir tout ça. Ah oui, alors, juste rapidement. Donc rapidement. Bon bah si on a le portail, je vais pas avoir besoin du Linkin Book. Moi ouais, si, enfin je vais en avoir besoin, c'est pour retourner dans. Ben non en fait même pas pour retourner dans le.
Je vais juste poser le portail, enfin le truc comme il faut. Alors, il va juste me falloir 2-3 blocs. Shadowlands, c'est pas un problème. Hop. Ah d'accord, je pensais que ça se casserait plus vite que ça. Je pensais que ça se casserait un petit peu comme de la... Comme vous savez, la pierre du Nether, quoi, la blue de la Bloodstone. La Netherrack. Boum. Allez. Et un œuf d'Ender Dragon. Ok, allez. On va dire... On va dire ouais, ici. Allez, hop. The end, voilà. Et puis bon, retourne dans l'overworld. Voilà. Bon bah on a fini Minecraft, on a fini cette saison, je vous remercie d'avoir regardé... Non je déconne, non on a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon c'est la fin officielle de Minecraft hein, comme d'habitude. On n'a même pas fait de 8 heures mais bon c'est pas trop un problème. Bon le générique je passe, on le connaît, vous l'avez tous au moins vu une fois je pense. Oh les pauvres poulpes. Oh les pauvres poulpes. Bon. L'end. Alors, l'end, on va mettre le bookstand ici. Va mettre le bookstand ici. Et on va... Non. Pas celui que j'ai là. Hop. Ouais, mais le problème c'est que passer par le portail, je vais avoir le générique à chaque fois. C'est chiant. Enfin, bon, c'est que j'ai qu'à appuyer sur échappe, c'est pas trop un problème. Allez, hop. Bon, je vais désactiver ça parce que ça commence à m'énerver. Alors allons-y. De quoi je n'ai plus besoin de tout ça. Le faisant d'un dragon, on verra bien ce qu'on en fait. C'est un trophée comme un autre. Ça, je vais le garder. Je m'en fiche, je m'en fiche. Enfin, 5 coeurs comme ça. Est-ce que je peux encore m'en faire des coeurs? Ouais, je peux encore m'en faire. Donc ça va m'en faire 8 stuff, ce qui fait que... Waouh, alors. Alors, bah ceux-là déjà j'en ai 4. Il m'en manque un. Il me manque une pomme en diams. Il me manque une pomme en diams. J'ai ce qu'il faut. J'ai un chat qui gueule. Ok, et pour faire cela... Hop, hop. C'est quoi qui me manque? J'ai pas vu. Des golden apples. Ok, d'accord. Ce sont lesquels qu'il me faut. Je suis désolé si vous entendez le chat crier, mais... Oh mon Dieu. Ah c'est la boulette là. Bon moi j'aurai des golden apples. Oh la vache, j'en ai fait beaucoup trop. J'ai fait un shift click au lieu de faire 5 clics. Bon bah c'est tout, hein. Mes cuiries vont m'en ramener.
Ah, c'est la boulette. Ah, mais... Mais... je pense à un truc. Je peux me générer de l'or. Je vais certainement m'en générer. Ouais, je vais m'en générer. Bah bon, on fera ça tout à l'heure. En attendant, donc on en était au art. Horte, et c'est cela qu'il me faut, et je peux en faire 5. Voilà, hop. Hop, 5 de plus, ce qui me fait 18 cœurs en plus de mes 10 cœurs de base. Ah, commence à faire une sacrée équipe là. 2 cœurs. Pourquoi je reste coincé à 13? Ça doit être un bug d'affichage. On va bien voir. Normalement, je devrais avoir mes 18 cœurs supplémentaires. Alors, donc on est bon, on est bon. Donc, qu'est-ce que l'on va faire dans l'End? Je vous explique rapidement le projet. Ça marche relativement bien. Ça marche relativement bien tant que ça sature pas. Le problème, c'est que je commence à avoir beaucoup de queries. Bah, j'en ai que... Enfin, j'en ai 4, en fait. Et ça commence déjà à être trop. Il galère, il sature, il galère. Donc j'ai commencé déjà à me faire des autocrafting. Il me manque l'autocraft des macérators. Enfin, il me manque quelques petits trucs. Le projet, c'est de se faire une grosse usine de traitement des ressources dans l'End. Mais pour aller dans l'End, enfin... Hop. Voilà, donc se faire une grosse usine de traitement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démolir l'End et on va se faire une plateforme. On va garder la plateforme du bas en fait. Et puis voilà. Et puis on va se faire notre usine de traitement ici. Voilà le projet en gros. Donc je pense que je vais le faire au SDX. Je vais le faire au SDX. Ce sera plus simple. Je pense. Par là. Je vais le faire au SDX. Ce sera moins long. Je le ferai hors caméra. Mais pour faire simple, c'est ça. Donc j'ai commencé à faire, hein, je vous ai dit, les autocrafts. Il me manque le macérator. Il me manque. Donc il me faut juste le macérator, des fours. Et le reste. Le reste en fait ça restera ici pour de l'appoint. Il me faudra aussi un système appelé d'énergie stick là-bas. Des tesseracts, des. Donc pour faire la liaison avec ici. Des trucs comme ça. Voilà. Donc je créerai un nouveau réseau. Hein, simplement. La lave en fait ne servira qu'à l'énergie. Et il y aura un nouveau réseau. Un réseau ressources. Qui traitera tous les minerais. Ouais, je pense qu'on va gérer la chose comme ça. Ouais, ou pas. Je sais pas en fait. Je sais pas en fait, non, je sais pas comment on va faire, mais on va s'arranger. On va s'arranger. Peut-être qu'on va continuer à utiliser juste le lava. En fait, c'est juste ça qu'on va déplacer, les deux, le coffre et le tesseract là. On va les déplacer. Boum. Aïe, elle a eu le temps de me tirer une flèche, dis donc. Bon. Mettre un peu de son quand même. Donc voilà, donc vous savez tout. On sait un petit peu des SDX ensemble. Oh, il m'en reste que 6, on va en faire plus quand même. TNT. Slime. Voilà, ça déjà c'est mieux. Hop.
Oula, j'ai failli retomber dedans. Alors allons-y. Il me manque la redstone, mais voilà, on va pouvoir se faire quelque chose d'assez sympa. Je les espace un peu. Après, on active. Ah, c'est pas vrai. Je suis absolument désolé. J'ai voulu faire un petit accéléré avec la TNT. Et puis, j'ai oublié de réactiver mon micro à la sortie de l'accéléré. Donc, je viens de mettre 1 heure de vidéo à la poubelle. Donc, je vous montre rapidement ce qui a été fait, ce qu'on va faire. Donc, je m'étais énervé un petit peu à la TNT. D'abord au SDK, puis après à la TNT classique. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que ça prenait une plombe et puis ça servait à rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un filler qui vire tous les blocs. Et je pensais qu'il... Et puis bon, bah, puis voilà en fait. En fait, je crois qu'il renvoie les items, je suis pas sûr. Et puis donc voilà quoi, je récupère et puis bah, attendez. Je veux juste voir un truc, c'est est-ce qu'il récupère vraiment les items ou pas? Ok, et apparemment il récupère les items. Ou pas en fait. Ça a pas l'air en fait. Juste rapidement, si je désactive. Non, il récupère que dalle en fait. Bon, donc voilà, donc je suis en train de vider l'end. De toute façon, j'ai récupéré, voilà quoi, masse de ressources. Donc c'est bon quoi. Je récupère juste les... D'accord, ouais, je me disais, merde, il y a un Wither là, mais non, en fait, il a une tête... Enfin, il a une... Un masque de Wither. Je récupère juste les Underlily Seeds les abeilles qui peuvent traîner dans l'end. Puis sinon c'est tout quoi. Je récupère juste ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à se préparer pour... Oh c'est marrant ça. On va commencer déjà à se préparer. Pour ben, conquérir l'end. Donc je sais plus si je vous l'ai expliqué. En fait le truc c'est que je compte faire une grosse plateforme non spawnable pour être tranquille au niveau Enderman. Et puis simplement une fois qu'on aura cette plateforme là, on met une usine de traitement de nos ressources en fait. Donc des macérators, des fours, plein de trucs quoi. Parce que ouais, donc comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on est saturé au niveau de notre système dans la base. Donc voilà. Voilà. Bon, donc on va faire ça ensemble. Non, c'est par là. Donc on va faire ça.